doucement, doucement, mais sûrement, ça passe crâne. Avec tous tes drapeaux, vas-y Antoine. Concentré, oui, oui. C'est une baignoire. Un bon petit virage. Oh, ça couille. Ça flambe, ça fume, ça fume. Il n'a pas fondu. Oh, c'est bien, il y en a qui klaxonnent. Ça nous fait plaisir. Ah, ils nous font coucou en plus. Salut les garçons. Ah, les pompiers, le Ricard, les cartes. Notre petit bus Ford. Martin, qui dépanne toujours. Mais dis donc, Flo, t'es pas tout le temps en panne quand même, parce que je trouve qu'il te tire tout le temps, moi. Allez, on leur laisse 5 minutes quand même pour se remettre de leurs émotions, se remettre dans l'ordre. Et puis, on va bientôt partir, hein. Parce que nous, on attend le spectacle. Cette fois-ci, personne ne s'est décroché. Donc c'est de mieux en mieux, les garçons et les filles. Continuez comme ça. Et puis pour les spectateurs, n'hésitez pas. Il y a la buvette parce qu'il fait chaud. Il ne faut surtout pas se déshydrater. Et puis il y a les crêpes. Hein. Les crêpes ont dû commencer. Hein. Les filles, elles sont courageuses. Elles nous ont fait des crêpes. Donc allez-y. Hein. Mangez, buvez, faites-vous plaisir. Amusez-vous. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de spectateurs dans le grand virage avec toutes nos petites pales. Mais si vous montez un petit peu plus au-dessus, et bien des fois vous avez du spectacle aussi parce qu'il y a un tremplin. Montre-nous de quoi tu es capable, Pascal. Ça se fait par famille. Elle met en bleu. Avouez quand même que j'ai une petite préférence pour sa deux chevaux. Bon, les autres sont jolis aussi, hein, mais elle a quand même fait un bon. Alors on m'a dit tout à l'heure qu'il fallait se repérer au poil des bras, mais bon, ça avance un petit peu vite pour moi, je n'arrive pas toujours à voir. Qui l'a fait, donc allez Denis, hein. C'est quoi, on prend pas les bottes de paille et on finit premier, Denis. Elle a remis ses pieds sur Pat. Donc là voilà. Allez Maxime, on t'attend Maxime. Le bitume est prêt, Maxime. Quel est le numéro 11? Odyssée. Quel vous êtes facile.